Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, vidéo de présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui, on part en Angleterre et je vous présente une Morris Minor 1000 Traveller. Donc celle-là est à l'échelle 1/24. Donc je vous la présente rapidement et après je vous la présente un petit peu plus en détail. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Et on commence la présentation de cette Morris Minor 1000 Traveller qui est à l'échelle 1/24. Elle appartient à la collection Auto Vintage lancée par Hachette en 2015 ou 2016, non 2016 je crois. Voilà, donc magnifique voiture qui est bien réalisée dans l'ensemble. On retrouve la fameuse couleur verte qu'on retrouve très facilement sur les voitures Morris Minor 1000 Traveller. Les fameux parties en bois de cette voiture-là, donc là, qui sont assez bien faites dans l'ensemble, on va dire. Même si ça aurait été un petit peu mieux réalisé, ça aurait été bien. L'arrière de la voiture, on retrouve la plaque immatriculée dans le 13. Pour moi, hein, c'est Marseille, hein, le 13. Voilà. Les feux sont bien faits à l'arrière, sont tout petits. Alors, normalement, si on arrive à lire, c'est marqué Morris Minor. Voilà. On peut voir l'intérieur. Alors, on voit que c'est très marron, on va dire. Il n'y a pas d'autre couleur là-dessus. Voilà. L'autre côté, donc là, on peut... Pardon. On peut voir qu'il y a... trappe d'essence. Voilà, donc on retrouve les parties en bois de chaque côté de la voiture et sur l'arrière. Les enjoliveurs et les roues sont dans l'ensemble bien faites, je trouve. C'est bien fait. On retrouve donc l'intérieur qui est pareil, bien fait, je trouve. Très marron, voilà. Très simpliste, mais c'est dans l'ensemble très très bien. Voilà. L'avant du véhicule, donc l'avant du véhicule qui est très simpliste, je trouve. Voilà. Donc on retrouve les phares, la calandre à l'avant, la plaque d'immatriculation. Voilà. Alors oui, j'ai eu un petit problème avec les rétro... les essuie-glaces, pardon. Quand j'ai reçu la voiture, il y en avait un qui tenait pas beaucoup. Donc je l'ai réparé un petit peu avec de la colle. Donc ça se voit pas trop, mais voilà. Je fais gaffe hein, maintenant, hein, parce que ça tient pas des masses. Comme c'est du XO, c'est pas non plus de la grosse qualité la plupart du temps, surtout pour les voitures presse. Donc ça se casse très facilement. Ensuite, donc des fois on me demande le dessous. Voilà, donc le dessous, pareil, hein, très simple. Alors les petits trous que vous voyez, c'est les trous où les vis passent pour que la voiture tiennent sur le socle. Donc ça fait pas très beau. Alors surtout que là ils sont bien visibles. Mais voilà, c'est là où passent les vis et ça ressemble en dessous à ça en fait. Donc on a juste Morris Minor 1000 Traveller de marqué et 1/24 qui est marqué en dessous. Voilà, donc c'est très 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 simpliste. Voilà, donc ça faut pas suivre aux apparences. Hein. Voilà, la voiture est peut-être très belle. Mais le dessous, il est pas très très beau, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une belle miniature. Je suis assez content de l'avoir achetée. Donc voilà. Donc c'était une petite présentation rapide. Hein. Voilà, comme d'habitude, hein. C'est très très court. Donc d'autres vidéos vont arriver sur la chaîne.
Je rappelle que du 25 novembre au 5 décembre, je suis absent, donc il n'y aura pas de vidéo. Et donc retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.